Hey yo, everybody! Normalement, ça stream, c'est nickel, ça va partir. On se retrouve pour un petit jeu qui s'appelle Archège. Vous allez voir parfois mon écran de bureau quand je vais faire des allers-retours ou des choses. Parce que je sais pas pourquoi ce truc ne veut pas prendre ce que je voulais prendre. Mais c'est pas très grave. Alors, pour le coup, de là sur Archège, je suis entre les Nuyen, les Elfes, Firan ou les Zarni. Dans la jungle. Non, pied isolé. Ok. Je sens le fort de la déesse de l'odeur. Les Nuyen tirent plus d'avantages leur passage en son royaume. Tout à leur cycle sont écrits deux fois plus longtemps. Ouais, c'est bon. La volte et les guerres civiles fréquentes. Ouais, on va prendre un Nuyen. Je vais prendre un Nuyen. Apparence. Donc est-ce que ça a l'air de laguer? Ça a pas l'air de laguer en stream, donc ça m'a l'air nickel. Pour ceux qui seront là, qui viendront, n'hésitez pas à le dire. Bon, on va essayer de trouver une confiance potable. Quelque chose qui rentre bien. Ok. Bon. Une corde de cheveux. On va partir sur du brun. Ouais, moi, si. Si on va regarder ça. Les yeux. Ah, non, c'est sourcils, ça. On va rester sur du noir pour les sourcils. Les yeux d'un bleu foncé. Un jaune. Ouais, on s'en fiche à la limite, de toute façon. Style, on s'en fout. Point, on s'en fout. Détail, on s'en fout. Ouais, ça lui va pas. Vous savez quoi? Sélectionner race. On va partir sur autre chose. Oh, joli. C'est quoi ça? Quoi partir là-dessus en fait? On va dire c'est une fille. Un peu en mode what the fuck, c'est pas grave. What? En mode dreadlocks. Celle-là. Regarde des couleurs de cheveux un peu. On va regarder sur du orange. Celui-ci. Les yeux bleus, ça va pas. Partir encore sur du jaune. Voilà. Le style, ça c'est classe. La peau. Sélection couleur de peau. Ok. Blanche, partir sur du blanc. Voilà, ça va pas trop avec changer la couleur des cheveux dans ce cas-là. Voilà, les yeux à voir. Alors, plus clair ou plus sombre? Plus sombre. La peau, c'est fait. Détail, on s'en fout. Pas de détails intéressants. Si je mets ça, ça irait pas. Ah, je vais pas mettre de détails, je pense. Ça. Non. Pas dans... Ah. Peut-être un peu trop prononcé. Elle est où? Elle est là-dessous, est-ce que...
Je prends celle-là. Ensuite. Ah, je peux carrément choisir en fait l'endroit où c'est. Très bien. Je vais partir comme ça. Là, c'est le truc de base, c'est pour ça. Accepter. Ah, par contre, l'armure qui est chiante là. C'est pas grave, on va mettre ça plus tard. Sur le stream, je regarde le rendu à peu près si ça passe. Ouh, ça m'a l'air de laguer. Bon, là, vous allez voir quelque chose de pas cool, c'est pas grave. 26%. Je regarde sur le live ce que ça donne. Ça. Ok, donc vous avez une image bloquée. Pourquoi? Je coupe le son. C'est l'image qui bloque. Ok, donc déjà on va voir pour l'image. Là, ça a pas l'air de bloquer. On va. Putain! Il faut que j'aille choper les deux. Il faut que j'aille tout choper en fait sur mon écran à côté. C'est chaud. C'est très chaud. Au pire. Popette. Nickel. Ce qui fait que j'ai pas besoin de ça. À la limite, je peux mettre le stream comme ça. Le chat. Chat comme ça. Ça juste pour avoir les deux un petit peu. Alors, désolé, je suis en train de régler tout ce bordel. Ok, nickel, si ça se met comme ça. Voilà. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc là, on repasse sur Arch'Edge, vous avez le son à nouveau. Donc, bah, ça devrait peut-être marcher un peu mieux là. Là, il y a l'image qui se fixe, au moins qui bouge pas. Vous avez pas vu la création du perso, c'est tant pis, c'est pas grave, vous voyez, j'ai un perso là. Ça a bugué ou dans le moment. Alors, guerrier, mage, archer, alchimiste, nécromancien, art des assassins. Nécromancien. L'art des nécromanciens, c'est voté par nuit, des amours, des assassins, elle cueille les héros déchus. Parce que ça sent pas. Alors. Les assassins. Pas d'assassin toxique, tiens une flèche en vue. Peut annoncer 4 attaques successives et d'infliger machin. Ok. Là sur le stream ça a l'air d'être bon. Augmente également la vitesse de déplacement de plus 50% pour 3 secondes avec 50%. Chance d'insérer le délai de récupération. Ok. Animiste. C'est quoi, ça invoque les animaux? C'est du soin. Ok. Marcher. De manière brute, ça marche, quoi. Ouais, ça dirait pas le guerrier. C'est pas trop mal. Peut-être partir plutôt en assassin. Allez, go en assassin. Quel nom? Est-ce que ça passe? Ça passe. Nickel. Alors, il y a un peu de lag sur le stream. Oh, léger. J'ai peut-être essayé de couper d'autres choses pendant le chargement. Donc voilà, vous voyez le perso. J'ai peut-être coupé d'autres choses en attendant. Donc vous allez revoir tout mon bordel. Ok. Donc, on va couper ça. Hop. On va couper ça. On va couper ça aussi.
va tout couper pour essayer de gagner un peu de vitesse sur tout ce bordel. Le but étant de gagner le plus de vitesse possible pour pouvoir avoir un stream un peu plus fluide. Donc là, vous voyez mon bureau, vous avez tout conseillé à être habitué. C'est pareil, on peut fermer ça. Putain, ils vont faire chier à pas vouloir fermer ces deux-là. Le droit qui ne marche pas. Dans ce cas-là. Bon. Ah, ça y est, masqué, quitté. Nickel. Je gagne un peu plus de fluidité. Théorie, hein. Ok. Donc, j'ai pas de point d'artisanat, gage de fidélité. Ok. Et ben, on va jouer, on va voir ce que ça donne. J'avais testé la bêta, mais j'avais dû jouer, ouais, une demi-heure grand maximum. Normalement, je sais même pas si j'étais sur cette map, avec ce compte, ces persos là quoi, juste de côté Dans un les... conte ancien, un barde donna aux Firan le surnom de Enfant de l'ouragan. Les jeunes Firan savent courir avant de marcher, parfait pour cette race aussi leste que le vent. À peu d'exceptions près, les colons documentent leur vie ou érigent des tours. Pas les Firan. Ils ne voient que peu d'intérêt dans la construction de foyers. Ils se contentent de rosée pour étancher leur soif et de viande pour assouvir leur faim. Il y a plusieurs siècles, quand la guerre déchira Orria, le héros Taiyang mena l'assaut Firan. Quand il fut tué par son meilleur ami, les plaines se seraient embrasées en signe de protestation. Lorsque les Firan quittèrent Orria, ils laissèrent derrière eux leur chagrin. Le vent, parcourant leur nouveau territoire montagneux, sécha à jamais leurs larmes. Les autres colons furent intrigués par ce peuple fauve, les riches Arani surtout. Leur méfiance à l'égard des Firan mit à mal la paix dès ses prémices. Les Arani n'avaient jamais été loués pour leur sympathie. Un choc avec les Firan s'ensuivit. Les enfants de l'ouragan remportèrent bien des victoires, mais ils combattaient tout un empire. Un empire doté d'une formidable technologie et forte de combattants surentraînés. Pour tenir tête à une machine si bien huilée, les Firan durent bâtir leur propre empire. Temi était né. Par la suite, les Arani enregistrèrent encore moins de victoires. Les Firan étaient si rapides, si redoutables. Une authentique tempête, les Arani reculaient. Par la suite, les Firan, sédentarisés, se mirent à assimiler le mode de vie Arani. Les Arani patientèrent jusqu'au jour où les Firan auraient oublié comment se battre. Les Arani frappèrent, leur domination fut cette fois sans équivoque. L'empire Temi fut éclaté, les Firan furent forcés de retourner dans les contrées sauvages. Ce n'était qu'une accalmie. À nouveau nomades, les Firan se ressourcèrent dans les plaines. Ils laissèrent leur chagrin dans les ruines de Temi, et le vent emportait leur peine. Leur pouvoir et leur puissance grandirent aussi menaçants qu'un ciel d'orage. 100 ans passèrent. Des prophètes annoncèrent la naissance d'un nouveau grand Mara. Ce Mara ramènerait les Firan dans les plaines de leurs ancêtres, sur le continent d'Auroria, comme Taiyang l'avait prophétisé. Mais les Firan devront tout faire pour empêcher que l'histoire de Temi se répète. Pour retrouver les plaines, il ne faudra pas bâtir d'empire, mais embrasser le souffle du vent et ainsi embrasser l'esprit de Taiyang qui réside en chacun des Firan.
Et yo! Donc a priori, ça c'est fini. Donc c'était juste pour ceux qui aiment le bordel, moi je sais que c'est pas trop mon kiff. Je coupe juste le stream pour plus avoir pour gagner encore un peu de vitesse. Les images, j'ai vu que ça marche à peu près bien, c'est nickel. J'élève pas ça en seconde, c'est bon. Je vais encore faire un petit truc après, je vais juste déco, reco, le temps que je marque un nouveau truc sur le chat, sur le stream, vu que vous pouvez le voir, il n'y a pas de serveur marqué encore. J'ai oublié de marquer le serveur. Et bah my bad. Donc je vite fait voir le nom du serveur. Vite fait voir. Je suis doué hein. Je regarde l'heure qu'il est aussi en même temps. Et il est. Ok, on a 10. Voilà. Vu que demain je dois me lever tôt, je fais gaffe à l'heure qu'il va être. Évitez de me coucher après 3 h du mat. Construire, concevoir, conquérir. Bordel, régler. Ok, nickel. Déplacez votre personnage avec les touches Z, Q, S, D et l'angle de la caméra. Voilà, c'est ça que je veux. Ok, ça parle anglais, fait chier. Je sais pas est-ce que le serveur fallait aller pour avoir le plus de français possible, mais c'est pas grave. J'ai dû regarder avant. Peut-être arriver à trouver une communauté française là-dedans. Sélectionner serveur. Ok, donc. Qui prend ça? Donc, texte. C'est celui-là que je dois modifier. Propriété. Qui pro ça. Merde, pas d'entrée. Ok. Voilà, je peux retourner sur le jeu. Qui pro ça, j'ai bien écrit, c'est nickel. Connexion. Ok. On va démarrer. Et on va refaire le chargement. Donc pour ceux qui voudront me rejoindre, ce sera sur le serveur qui prend ça. Sauf si je décide de changer de serveur. Ce qui pourrait peut-être arriver, ça dépendra d'un truc, c'est pas très grave. A priori, je reste sur le serveur là pour le moment. Là, de quoi vous pétez les oreilles avec le micro. C'est pas très grave. Je fais un dernier petit truc d'ailleurs. Ma page Facebook. Si je fais ça. Ok. Bon, j'ai mal écrit, c'est pas grave. Voilà. Normalement, le chargement droit est fini. En théorie. Non, toujours pas. Il est à 100% pourtant. Ah, par contre. Ah si c'est bon, je crois que l'image n'avait pas s'actualiser sur le stream comme tout à l'heure pour la section des personnes mais si. C'est une grosse baisse de FPS. Ok. Donc il y a une grosse baisse de FPS sur le rendu du stream a priori. Ça tourne à 4 à 5 FPS. C'est chiant. Est-ce que c'est parce que le jeu est en cours? En tout cas, moi ouais, ça marche bien. Ouais, si je fais ça, j'ai pas les deux mêmes écrans. Hein. Pourquoi cette baffe de FPS? Réfléchis, idiot. Option. Pas changer la résolution. Qualité. Tout est en bas normalement pour que je puisse stream correctement. Ok. Ça c'est bon. Ah, on va faire des réglages de toute façon ici.
Z, Q à la droite, D, pivot à droite, E. Course auto. Numlock. Là? Ok, très bien. Je sais pour le moment, peut-être qu'il y a un intérêt. Ok, il raccourcit. J'ai agi. Un machin. Ok. Au niveau des FPS, je suis toujours très bas. Alors, comment changer ça? Les gens, je fais une petite coupure stream, le temps de régler ça correctement, autrement, vous allez voir, vous allez perdre un peu en qualité, mais vous allez gagner en FPS, donc c'est mieux quand même.